nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi. Lundi c'est unboxing et on fait un unboxing avec la boutique On Day Saving. Alors aujourd'hui pour cet unboxing j'ai choisi du diamond painting et de la broderie. Il y aura deux DP, deux diamond painting, il y aura un petit accessoire pour le DP et il y aura une broderie pseudo Joy Sandé. On va commencer par la broderie. Non, c'est rien, ça tombera pas plus bas. Alors la broderie, la voici en style bobinette, voyez le dessin. Avec une machine à coudre d'une marque qui ressemble à une marque qu'on connaît bien, hein, que nos grands-mères avaient. Voilà. Donc, c'est un pseudo Joy Sandé, 14 CT, 28 sur 30 cm. Voilà. Allez, viens, 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 mon petit. On ne peut pas sortir. Ah, ça y est. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va avoir un patron papier. Alors, super glacé. voilà. Donc, il y a encore un petit morceau derrière. Bon, très bien imprimé hein, sur le papier. Mais les Joy Sandé, vous savez, hein, il n'y a pas de problème. Alors, on a ici derrière, combien? Alors, on a 18 couleurs en tout. Il y aura du point de croix, il y aura de la demi-croix avec une couleur, il y aura du point nœud avec une couleur, et il y aura du point arrière avec 4 couleurs différentes. Voilà. Donc le point nœud. Ah ben c'est ça. Voilà. Le point nœud, voilà. Voilà. Et tous les petits ronds là, ici. Est-ce qu'il y en a encore ailleurs? Non, il n'y en a que là. Mais bon, si vous ne savez pas faire ou vous n'aimez pas faire les points nœuds, vous mettez des perles. Voilà. Et le point arrière, il est pas le point arrière, le demi-point, ah, il est ici, en dessous de la machine, au milieu de la machine. Voilà. Alors, on va avoir une toile, bien sûr. Je voyais plus grand, mais bon, c'est vrai que la taille qu'il donne, c'est ça, hein. La voici. Donc, c'est une partielle. Il n'y a pas de fond à broder. Non, il n'y a pas de fond à broder. Alors, niveau impression, hein, c'est imprimé un peu clair. Mais bon, c'est tout à fait visible. Et vous voyez, alors, je ne sais pas si vous verrez bien... Si, ça va, vous voyez, c'est très très bien imprimé. Donc vous retrouvez bien sûr la légende ici. Ensuite, on a bien sûr nos fils. Alors on va avoir deux aiguilles ici. Voilà. Et vous allez avoir les fils sur le trifil. Voilà, je vous montre les couleurs. Les couleurs un petit peu neutres, hein, mais très jolies. C'est un peu un style ancien, hein, ce dessin. Donc... il ne faut pas des couleurs criardes. Voilà. Alors, cette broderie,
Donc, pseudo-dieu Sunday estampé 14 CT 28 sur 30 cm est au prix de 4,95 €. Voilà. Donc, pas cher. Alors, le petit accessoire pour le diamond painting, ben ça, on en prend un à chaque fois. C'est les petits pots de glue. Alors, celui-là, il doit y en avoir. Je pense que c'est celui où il y en a trois. Oui, voilà. Je commence à les reconnaître maintenant. Donc, celui-là, il y en a trois. Voilà. Hop. Alors, le petit pot de glue, 1,95 €. Voilà. Et ensuite, nous allons avoir les DP. Alors, ce sera deux DP en taille 40-30, perles rondes. Voilà, le premier fait 18 couleurs. On a d'abord le petit toolkit, comme d'habitude. Alors, c'est quand qu'on, je sais plus, enfin dans la semaine ou la semaine dernière, on m'a posé la question. Ben, je crois que c'était lors de la foire aux questions. Je sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. On m'avait posé la question, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour démarrer le DP? Rien. Pour le démarrer, rien. Parce que déjà, si vous n'en avez jamais, jamais, jamais fait, achetez-vous d'abord un DP. Un seul. Déjà avant pour voir si ça vous plaît. Voilà. Et donc chaque DP, vous allez avoir ce petit toolkit. Voilà. Donc il y a le stylet. Voilà, tout simple, mais qui est tout à fait suffisant pour démarrer. Le petit plateau pour y mettre les perles. Pareil. Suffisant pour démarrer et le petit carré de glue que vous allez mettre au bout du stylet pour attraper vos perles. Voilà. Pour démarrer, un kit, vous aurez ça à chaque fois dedans. Donc pour vraiment pour démarrer, n'achetez rien avant, achetez un kit, essayez, ça vous plaît. Ben, après, là, vous, si vous avez envie de vous acheter du matériel, achetez-en. Mais en matériel d'épée, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de. Enfin, quand je dis il n'y a pas grand-chose. Entendons-nous. Maintenant, on fait des petits plateaux à paillettes. On fait des petits plateaux en forme de feuilles, de cœurs, de papillons. Voilà, des petits plateaux à tiroirs. Les stylets, il y en a de toutes les couleurs en résine, pas en résine, en métal, en strass, en... Voilà. Mais après, c'est juste de la déco et du... Voilà, et parce qu'on aime bien. Mais pour démarrer, voilà ce dont vous avez besoin. Bon, allez, arrêtez les blablas. Alors, attendez, je vais bien remettre le plastique parce que là, sinon, vous n'allez pas bien voir. Ouais, ça sert à rien de dépenser trop d'argent au début. De toute façon, ça c'est pour comme chaque loisir créatif. Hein. Quand vous commencez un nouveau loisir créatif, prenez un truc, enfin ce dont vous avez besoin pour faire votre première broderie, votre premier tricot, voilà. N'allez pas acheter, 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 acheter. Un tricot, c'est pareil. Vous avez vu un petit pull. Il faut 10 pelotes et une paire d'aiguilles 5 et une 4,5. Et ben, achetez vos 10 pelotes, vos deux paires d'aiguilles, c'est tout. Et si vous voyez que vous y arrivez, bon, ben, après, vous pouvez investir un petit peu. La broderie, c'est pareil. Vous achetez un kit, par exemple celui que je vous ai montré. Vous achetez ça. Vous avez vu, il y a déjà les aiguilles dedans. Il y a le fil. Là, là c'est de l'estampé, mais ils vendent aussi des points comptés. Si vous voulez faire directement du point compté, il y aura toujours l'aiguille, il y aura toujours les fils, il y aura toujours le patron et une paire de ciseaux. Vous en avez une à la maison. Hein, voilà. Et après, ben, après, vous êtes foutus. Hein. Je parle d'expérience. Allez, regardez-moi ce petit.
petit labra... Je vous remets la photo, hein. Ce petit labrador cow-boy. Voilà, il est trop rigolo. Alors, combien j'ai dit de couleurs? 18. 18 couleurs pour ce joli labrador cow-boy. Alors, ah bah c'est bien, on va avoir les perles en sachet zippé. Je me remets dans l'autre sens pour mieux vous les montrer. Voilà. C'est bien quand c'est en sachet zippé, je n'ai pas besoin de déballer. Bon, là par contre, on voit quand même des marrons clairs et des vertes. Donc là, comme vous avez pu voir, ça va être beaucoup dans les tons marron, beige. Voilà. Un petit peu de bleu quand même et un petit peu de jaune. Voilà. Coucou. Alors, ce DP, le Labrador Cowboy en 30-40 perles rondes, est au prix de 5,95 €. Voilà. Donc, c'est pareil, quand vous voulez démarrer le DP, n'allez pas tout de suite vous acheter des DP qui font 1 mètre de large, là, sur 90 cm de haut. Hein, oui, il y en a des comme ça, même plus. Ah mince, j'ai remis à l'envers, c'est pas grave. Prenez des petits pour démarrer, pour voir si ça vous plaît. Alors, le deuxième, oui. Alors, je cherche. J'ai perdu le bout. Bah, il s'ouvre où celui-là? Bah. Bon, il veut pas. Il s'ouvre pas. Si, si, il va s'ouvrir. Voilà. Ah, allez. Voilà, attention, pas parler trop vite. Top. Alors, est-ce que vous voyez la tortue? Il m'a tout démonté. Bon, ça va, il s'est arrangé par terre. Je le remets très bien après. Tu veux que maman elle te le remet? Bah oui, attends, je reviens. Nous revoilà. Alors, ici, c'est un 30-40, également en perles rondes. Alors, on va encore remettre bien le plastique. Alors, ces plastiques, je ne les aime pas. C'est toujours un petit peu plissé. Au passage, rien à voir avec la boutique. Pour ceux qui auraient vu mon déballage, le DP de Spider-Man, l'homme araignée, vous savez que la colle était enlevée. Ça va, tout va bien. Chouchou est en train de le faire. Allez, ici, des hippocampes. Voilà. Ça change, pourquoi pas. Voilà, ils sont très jolis. Alors, les hippocampes, il va y avoir le petit toolkit comme d'habitude, et ici on va avoir les perles en sachet chapelet. J'ai une poussière dans mon œil. Ah. Et voilà, allez, je vous montre les perles. Voilà. On va avoir des jolies couleurs, je crois. Voilà.
sûr, c'est sous la mer, donc il y a du bleu. Voilà. Alors, celui-ci, il est au prix de 5,95 € également. Je vais vous remettre en barre d'infos les liens des articles, liens de la boutique. Pardon. Je ne sais plus si j'ai un code promo avec cette boutique, mais si j'en ai un, je vous le rajoute. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas, si j'en ai mis un, à vous en servir. Moi, je remercie beaucoup la boutique On Day Saving pour leur confiance. Et moi, je vous remercie tous pour votre fidélité. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.